Cette exposition est organisée dans le cadre de la grande saison du Japon en France et à Paris en particulier. Le manga Tokyo parle de Tokyo. Vous êtes dans Tokyo avec un plan gigantesque. Et surtout, vous avez les films des mangas qui passent sur un énorme écran, le plan de la ville et surtout sur la maquette, comme un plan relief, vous savez, de l'époque de Vauban, mais fait aujourd'hui, avec tous les immeubles reconstitués. Vous avez l'endroit exact dans la ville où ça se passe. Et donc, vous parcourez à la fois cette culture manga en visualisant totalement ce qui a inspiré les artistes, les dessinateurs, à partir de la ville de Tokyo. Les mangas, c'est vraiment Tokyo, parce qu'effectivement, ils sont raccordés à une vie urbaine qui évolue sans cesse. C'est ça aussi qui est passionnant dans les mangas, c'est qu'on voit l'évolution de la société très fortement à partir de ces héros dans une ville qui se reconstruit. Quand vous allez aujourd'hui à Tokyo, dans certains quartiers qui ont été dessinés dans les mangas il y a 10 ans, la ville a déjà changé. Ce qu'on voit dans les mangas n'existe déjà plus. Donc la réalité est beaucoup plus forte encore que ce monde fictionnel. Le visiteur va ressentir ou la destruction totale, donc je préfère qu'il pense plutôt à la reconstruction, mais c'est vrai qu'on se balade entre les deux. C'est-à-dire dans ces mondes hallucinants, apocalyptiques, et puis les mondes plus paisibles d'un monde nouveau. Et je crois qu'on ressort de là avec l'idée d'avoir à réinventer, et même nous-mêmes finalement, notre place dans les grandes villes. On se balade dans des fictions qui finalement sont les nôtres, dans les vies que nous espérons. C'est vraiment une exposition extrêmement ouverte sur cette culture, qu'on la connaisse ou pas. Pour les fans, évidemment, ils vont reconnaître tous les héros. Mais je crois que quand on n'est pas féru des mangas, on pénètre vraiment une image même d'architecture de la ville. On est plongé dans la vie des Tokyoïtes. C'est la vie normale, sauf qu'il y a quelques monstres en plus. Quand on se balade dans cette expo, je pense qu'on n'a qu'une envie, c'est de prendre un avion pour Tokyo.